Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Olaf Jungle. On est avec un Mordekaiser, une Ahri, un Lucian, une Lulu et on joue contre Jax, Rengar, Katarina, Jhin et Yuumi. Match-up contre un Rengar, oui, bon, a priori. Ouais, ça peut être un pick qui peut me mettre un peu en difficulté. Là-bas, il est plutôt sur du burst alors que moi j'ai plutôt tendance à être à l'aise dans les combats qui durent un petit peu. On verra ce que ça donne. C'est plutôt le Jax qui me fait peur en fait en face là. C'est un peu le type de perso qui peut me mettre au fond en esquivant mes. Ouais, il peut esquiver mes autos, ça m'embête, mais d'un autre côté, je peux esquiver son stun, donc je pense que ça se vaut. Sinon, pour le reste, pas grand chose à dire. Je pense que. Ouais. J'espère qu'on n'a pas un mid qui va feeder. J'ai fait une partie avant qui était plutôt sympa, mais on a un mid qui est parti en mode clic droit dans le Nexus adverse. Ce qui est jamais très agréable, bien sûr. Yuumi apparemment c'est un des supports qui sont vraiment dans les plus les plus mis en avant en ce moment comme étant un des meilleurs. C'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Surtout que ça peut jouer sans flash donc prendre deux sorts d'invocateurs ce qui est quand même pas négligeable. Mais d'un autre côté une Lulu combinée avec Olaf ou même sur le Mordekaiser ça peut donner des trucs assez stylés. Une capacité à rentrer dans le tas qui peut être pas mal. Je crois que je peux me passer de la potion rechargeable si je prends ça direct, à mon avis, sur Olaf. Ça peut être un plan comme je prends la gloire du juste. Je pense que c'est pas mal comme choix. Tac, on va dire bonjour. Est-ce qu'il y a une volonté d'invade contre un Rengar? Est-ce que ça vaut la peine de tenter quelque chose? Je suis pas sûr. Bon. Je ne suis pas sûr, du coup c'est pas terrible, il aurait mieux valu que j'aille direct de l'autre côté pour être sûr d'avoir la vision sur ce qui se passe. Là, c'est pas top. J'espère que je vais pas me prendre 5 personnes dans un bush. Ok. Ok. Alors il y a un petit trick avec Olaf, c'est que vous pouvez faire le bleu et le crapaud en même temps. Mais je vous avouerai que je suis pas sûr de pouvoir gérer le truc parfaitement. Peut-être que j'aurais dû commencer par le Z. Enfin, normalement, faut commencer par le Q-spell sur Olaf, mais le Z peut quand même donner un sustain intéressant pour ce genre de choses. Bon, bah on verra. On verra ce qu'on peut faire, bien sûr. Mais j'aimerais bien arriver au niveau mécanique à vraiment bien optimiser mon farm en jungle pour être très efficace et. Et là l'idée c'est qu'en fait je clean la jungle et ensuite je vais gankbot level 4 après le raid et les golems. Ça peut être un plan sympa. Bon bah en fait avec le Mord qui m'a aidé, la question se pose pas trop en fait par rapport au crapaud là. Tac, je vais garder le smite volontairement si je reste plus bas en PV, en fait je vais plus vite à clean. Ça c'est pas du tout une donnée négligeable. Là faut que je fasse attention à bien toucher. Ah merde, j'ai plus de mana. Bien toucher tout le monde avec la hache autant que possible. Ok, c'est quand même manavore hein. C'est quand même manavore, là-dessus il n'y a aucun doute. Qu'est-ce qui se passe au mid? Ça donne du kill, dommage. J'aurais pu éventuellement venir essayer de faire quelque chose, mais là, ça va être un peu compliqué. Hop. Tac. On a eu un kill là, à quel endroit? Le top apparemment. Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je fasse gaffe, c'est peut-être un peu bête de mettre la ward là, mais j'ai eu peur. Je me suis dit putain, si on me tombe dessus à ce moment-là, je suis tellement vulnérable. Ça peut vraiment me mettre au fond. Là maintenant, je vais aller me régénérer sur les golems et voir si je peux faire un truc au bot. Bon, ils ont l'air d'être assez push quand même. Tac. Alors, il faut que j'arrête de perdre des PV. Ça peut être un plan en fait de s'enlever un peu de points de vie avec le E, mais volontairement. J'ai envie de lâcher le ghost. Ok, j'aurais dû.
Non. On fait du kill là, non? J'ai pas eu l'assist? Oh le scandale, j'ai pas l'assist quoi. Horrible. Putain, j'ai tout mis. Je suis archi deg. Je suis archi deg. Bon, bah écoutez, c'est un bac. Oh, je suis archi déçu. J'ai hésité à mettre le ghost pendant 1 heure, j'aurais dû le mettre. Enfin, j'aurais dû, je pouvais. Petit. On peut pas lire dans les pensées des alliés, et ça, c'est le problème de pas être en communication vocale. Bon, je vais aller faire le Drake. C'est un infernal. Avec Olaf, je peux le faire très très vite. Hop. Bon, on a quand même l'air d'avoir une team qui suit bien. Le top qui a 2-0 en même temps mort avec le champion là, c'est un peu pété. Le Lucian qui a pris le kill, ça c'est pas mal. Ah merde, y a pas le machin pour sauter là. Je pensais que je pourrais. Mais je suis un peu déçu d'avoir été là pendant 1 heure pour au final n'avoir rien tout simplement. J'aurais apprécié un petit assist. Ok, il n'y a pas de ward. Normalement ça passe, mais faut que je fasse gaffe quand même. Je vais essayer de pas claquer mes points de vie pour rien. Merde! À l'aide! Tue-moi s'il te plaît le Drake! Ah putain! Heureusement que j'ai dit push mid pour me sécuriser. Là j'ai été con, hein. J'ai pas eu une bonne vision de. J'étais focus sur mon Drake et sur comment gérer au niveau mécanique. J'ai pas vu venir. Et je donne un kill comme un débile. Bah super. Bon. En même temps, j'aurais aimé un peu plus de cover de la team pour un infernal, ça aurait valu le coup, mais. Bon, on n'est pas bien là. Hein. On n'est pas bien du tout. J'ai fait le con avec le Drake là, clairement. Bon, le Jax qui repart vers le haut, par contre, ça c'est bizarre. Attends, il fait quoi? Il y va là ou. Parce que si le plan c'est d'y aller, moi je suis chaud, hein, mais. J'ai envie de leur tenter en vrai, mais je pense que ce serait un peu con. À part donner un kill, je vais sûrement pas faire grand chose. En plus, j'ai perdu beaucoup de PV sur les Corbins parce que j'ai pas très bien géré le truc. Putain, je pensais que. À chaque fois, en fait, je pense que je vais réussir à achever avec le E et en fait, j'achève pas, du coup, je perds des PV. Alors que ça me paraît un peu free, mais apparemment, je surestime un peu les choses. Je joue pas très bien là pour l'instant. Je trouve que je fais des conneries. À l'aide, j'ai fait de la merde. J'aurais pas dû être là. Non, c'est bon, ça va. Alors, je vais aller prendre un peu de régène déjà là-dessus. Ça me fera pas de mal. Et en vrai, non, ils vont trop vite. Bon, allez, je vais tenter le Drake une fois de plus. Espérant que cette fois je m'en sorte à peu près. Oh putain, ils vont jamais me laisser le faire en vrai. Hein. Me saoule pas, toi. Me saoule pas. Il fait quoi? Il le fait? Il le fait pas? Bon, moi je suis pas safe du tout là. Bon, je suis très très bancal hein, sur mes engages sur le Drake là. Je fais clairement n'importe quoi. Allez, je vais lâcher mon smite, en fait depuis tout à l'heure j'ai pas de PV mais j'ai le smite de dispo. Ah et en fait quand il est pas maxé le E il met vraiment très peu de dégâts donc ça fait perdre des points de vie en boucle de le faire. Ok. Je pense que je vais aller backer tranquillement. À moins qu'il y a un truc à faire au top. J'ai pas spécialement l'impression. Oh, quoique. Quoique, il va me falloir. Putain. Mais non! Je suis pas sérieux. Est-ce que je lâche le ghost ou pas? Je cours!
Ok, bon, il a lâché le flash. Ça, c'est le moment. Pendant 1 heure, il y a une hésitation. Ghost, pas ghost, ghost, pas ghost. Et bon, là, j'aurais pu le regretter. Hein, mais je lui ai fait lâcher des trucs. Hein, donc au final, c'était pas trop mal. Mais bon. Je sais pas, t'es maxi safe non plus. Bon, il faut vraiment que j'arrive à passer ce Drake un jour. Je vais y aller tranquillou. Faire ma petite jungle et retenter le Drake ensuite. Il faudrait une ward. Non! Ne leur laissez pas, s'il vous plaît. Ils vont l'avoir, je suis archi deck. Go là! Putain, ça me dose. Ça me saoule tellement. Je devrais absolument pas être en train de faire ça. Là, je fais de la merde. Je suis très mauvais, hein. Je suis resté 1000 ans à faire mes Corbin, c'était pas du tout l'urgent. Et j'ai plus de gosse parce que je l'ai gaspillé tout à l'heure. Je suis tellement à chier là, en vrai ils peuvent m'insulter, hein. Je mérite. Je mérite très clairement. Ouh, j'ai fait un kill. Surprenant. Je pensais que j'allais faire des trucs en 2 secondes en fait et que j'allais pouvoir venir ensuite, mais non, c'est un échec. En vrai, c'est débile hein, parce que là sinon c'était free. Hein. Par contre, Lucian, le de raid, bon, je suis déjà pas très bien dans ma game en fait. Si en plus j'ai pas mes camps de jungle, ça va pas m'aider. Bon, je vais essayer de remonter un peu, mais là j'ai vraiment pas bien joué cette partie pour l'instant. Donc il y en a un Rengar qui s'est senti pousser des ailes. En vrai, le raid est peut-être mieux sur Lucian que sur moi quand même, hein, mais. Je vais peut-être partir plutôt sur un max Z. On verra ce que ça donne. Je vais aller faire le héros de la faille. Ça pourrait être ça de pris, éventuellement. Il n'y a pas le carapateur qui se balade quelque part là? Ok, bizarre. Ah, je me disais bien. Est-ce qu'on peut faire un truc sur la Katarina? Ça va être compliqué. C'est pas un perso très facile à choper. Ok, je vais essayer d'aller choper le raid, là, qui vient de repop. Si les Rengar se pointent, je lui tombe dessus. Oh là là! C'est énervant. Hein. Putain, 3 fois rien, il était au repop. Bon bah allez, on va faire ça. Attention, attention Harry quand même. Vraiment ça, je le fais sans trop de soucis. Smite à 570. J'arrive à le taper derrière normalement. Bon, tant pis. On va aller mettre ça sur la top lane. Go, go, go. Là, en vrai, go. Ah bah voilà, c'est quand même mieux quand ça se passe comme ça, hein. GG les potes. Ça me plaît complètement. Allez, on enfonce le top.
Ok, on a fait des bons calls là, c'était pas mal. Bien mieux que le début de partie. Mais attends, on va quand même pas choper les nibles. Dites-moi que c'est pas vrai! Allez, on se répartit les shots. Ok, c'était violent et instantané, je suis mort pour la bonne cause. Ok, j'avais beaucoup de gold en stock. Je vais prendre le couperet noir. Je vais prendre le phage. Ok, je vais aller rush le Drake direct là. Bon, on s'est un peu fait raid sur la fin, peut-être qu'on est resté un petit peu trop longtemps, mais on a quand même pris deux tourelles, c'est pas mal. Le Mord peut-être qui peut aller push un peu au bot. Ce serait pas mal. Ah mais là il joue en mode last hit. Là faut push et prendre la tour. Hein. J'ai bien aimé l'esquive, enfin le fait que je me suis immunisé contre le stun du Jax, hein, c'est plutôt agréable quand même. Faut le dire. Elle fait quoi là, elle y va ou... Parce que moi je suis chaud hein mais... Enfin désolé pour d'avoir pris le kill mais bon c'est pas plus mal, hein. Il aurait peut-être survécu. Mais bien joué. Non, laissez-moi juste le temps de faire le drive s'il vous plaît. 600. C'est quoi 600? C'est rien. C'est rien 600. Allez go, go, tout le monde se barre. Pas le moment de fight là. Mais c'est pas le moment de fight, j'ai dit. Ah, ils m'attendent pas. Ils m'attendent pas. Bon, mon rego, hein, s'ils veulent. J'aurais aimé avoir eu le temps de choper le raid. Le board, en vrai, il nous fait un sacré taf. Hein. Ça nous fait une front lane. Ok, j'ai réussi à louper mon spell. Je fais nimble, je joue trop mal. Je me balade dans la fight, je sers à rien. Très désagréable d'être inutile. Bon, c'est pas grave, le niveau ne va faire que monter de toute façon, mais. J'ai envie d'y aller en fait là sur le djinn. J'avais très envie d'y aller. Je vais aller récupérer mon raid tranquillement. Un peu de dépêche un peu le bot là. Bon, c'est pas. C'était pas trop mal, mais pas non plus incroyable hein, ce que j'ai fait pour l'instant. Beaucoup d'occasions de faire des trucs stylés qui ont été manqués, j'ai l'impression. Bon, je vais aller prendre le carapateur, clean ma jungle. Ah, il va encore prendre le raid Olaf, le Lucian. En vrai, il a pas l'air mauvais hein, qu'il le prenne, y a pas de souci. Je suis juste un peu déçu, mais. S'il en fait bon usage, ça me va. Est-ce qu'il est temps que je back? Ouais, il est complètement temps que je back. Je prends le coup près comme ça, tout pile. Ok, dommage pour les spells mord. Fais gaffe à toi, Harry. Tu me fais peur là. Ok, ensuite on va rush Gloire du Juste. Il va me falloir quand même un tout petit peu de vol de vie. Peut-être juste un sceptre vampirique et Gloire du Juste. Qui va me permettre de gagner beaucoup en mobilité. Ça c'est très agréable. Bon, je suis pas trop mal dans ma game, hein, mais je trouve que j'ai pas été super présent. J'aurais pu saisir beaucoup plus d'opportunités. Ok, je vais prendre un petit blue buff. Ça me fera pas de mal pour le mana. Commence à avoir des dégâts plutôt cool.
peut essayer d'aller choper des petits kills en vrai là. Bon alors lui. Dommage que Lulu soit morte, elle aurait dû juste courir je pense. Go là en vrai. Hein. Elle court. Un petit peu déçu. Ouais moi je suis très chaud d'y aller là. Je suis très très chaud. Alors à la limite il y a le Jax au bot là. Je vais essayer d'aller intercepter. Alors faut que je fasse attention 1v2 mais... Là le Jax on le prend en tenaille hein, et ensuite on enchaîne sur le Drake. Il est où? Oh là là, MDR. On s'est fait manquer de respect. C'est humiliant. On va pas l'avoir. Hein. Incroyable, putain, il est full débile quoi, il nous a troll. Il est où? Mais il disparaît. Ce perso n'arrête pas de disparaître. Il va choper la Harry. Incroyable, scandaleux. Ah quand même, hein, putain, marathon quoi. Scandale absolu. Ouais, là il y a le Drake, il faut pas louper. J'aurais aimé avoir le temps de back avant. Mais bon, on a tombé le Rengar. Normalement, ça ouvre un petit peu la porte pour le Drake. Bam! Petite hache en pleine tête. En mode viking, ok, j'ai planté ma hache devant le Drake, c'était de l'intimidation, vous inquiétez pas. C'était tout à fait normal. Hop. Ouais, j'avoue, Gonash. Je suis chaud. En plus, du coup, j'ai gardé le smite, tout va bien. Le Rengar, il se sent un peu fou quand même, là. 2-7, je sais pas trop ce qu'il fait, mais... Je pense qu'il a effectivement une capacité de burst digne d'un Rengar quoi, mais... Ok, faut quand même qu'il fasse gaffe. Hein. Alors là, j'avouerai que je suis pas ultra serein sur la fight. Alors, 720 le smite, la montave, ça va être de pas le rater. Ok. J'aurais pu ne pas mourir si j'avais un peu mieux réagi. J'ai mis un petit temps de réaction là à me dire oulala, je suis en train de me prendre des CC. Bon, on s'en sort quand même pas trop mal, mais j'aurais pu survivre, je pense, sans trop de soucis si j'avais été un peu plus réactif et un peu plus réveillé. Je vais prendre ça et ça. Et on va commencer le thème suivant. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Là, je pense que il y a de quoi aller choper le Nib. Alors il y a plus... Le Lucian n'est pas avec eux, c'est dommage, avec le Lucian ça aurait pu aller très vite. On a un Mord qui s'amuse là. Ok, fais gaffe quand même. Mais si ça peut prendre l'inhib, c'est très bien. Ouais, je vais aller choper peut-être le raid là pour une fois, alors que je l'ai jamais. Et ensuite je vais aller push le bot je pense assez vite. Ok, là ils sont en train de faire un massacre. Il est con ou quoi? Il vient d'en choper un de raid, il a eu celui du top, putain il en avait un qui était encore tout frais. Ah, par contre débile le Lucien. Aucun problème avec le fait qu'il m'ait pris tous les autres, mais là il est complètement con par contre. Bon on va rien dire mais... C'était un peu con de sa part quand même, en vrai c'est déjà fini. Bon. Soit. Rapide. Go end hein, moi sympa. Ouais. J'arrive! Vas-y, go faire des trucs, hein, je suis motivé. Go! MDR, non, c'était con, j'ai fait le débile. Je suis en peu tilt en fait, vu qu'il m'ait pris le raid, le Lucian. Du coup, je fais nimp, c'est pas trop une excuse, mais c'est pas bien grave. De toute façon, la partie. Là, j'ai été débile, j'aurais dû aller tranquillement prendre la une voire deux tours et le bot plutôt que d'aller me donner comme ça.
n'y avait pas vraiment d'intérêt, c'est pas très smart. C'était clairement pas très smart. Mais là, je pense que bon, la partie elle est un peu pliée, mais. Du coup, je passe du temps mort immobile, c'est jamais très agréable. Allez, je vais aller tranquillement push le bot. Ou alors le mid. Je suis chaud. En vrai, je me mets avec l'ulti Z plus ulti, clic droit sur le Nexus et c'est plié, je pense. Hein, mais bon, je suis pas ultra tanky, mais j'ai quand même des gros dégâts d'attaque là. Ça peut faire son petit effet. Et un TP du Mordekaiser qui est dans une confiance totale. Excellent. Bon bah je crois qu'on est sur un GG. Et voilà, easy. Bon bah pas grand chose de plus à dire sur cette partie, hein. J'ai pas été incroyablement brillant, mais j'ai une team qui a bien suivi, donc ça fait plaisir, sachant que j'en ai perdu une avant parce que ma team a fait nimp alors que j'avais fait une partie correcte. On va dire que ça a rétabli un petit peu un équilibre. Bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, j'organise mes vidéos en playlist thématique sur ma chaîne, qui vous permettra d'avoir voilà, des listes de combats un petit peu similaires. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, le lien est en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.